Apparemment, il y a lui qui est là, là. Je sais pas trop quoi en faire. Il y a le soleil, là, que je peux déplacer, mais... Quand je le déplace, je vois pas trop... Je vois pas trop l'intérêt. Si je pouvais planter le tournesol, ça serait pertinent, mais... Mais je peux pas le planter. Bon, donc pour le moment... L'objectif, il est là. Donc la question, c'est qu'est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui donne le poids? Non. Et une fois que j'ai cliqué dessus... Est-ce que je lui rends le cœur? Non. Ah, attendez. Est-ce que je lui donne le poisson? Non plus. Mais, non, excusez-moi. Hop, excusez-moi. Qu'est-ce que je dois faire avec toi? Je peux pas monter dedans, je peux rien faire. J'ai juste une main qui apparaît. Mais quand je clique dessus, elle se rétracte. Et elle réapparaît pas tant que... Bon. Ok, pour le moment, on va laisser ça de côté. On va essayer de mettre le soleil plus couché. Pour voir un petit peu. Après, si je retourne voir le téléphone. Non, il n'y a plus rien. Ok. Ces trucs-là, toujours... Toujours inactif, toujours rien. Ok. Lui, est-ce qu'il... Je me sens libre. Oui, ben on est content pour toi. Oh là 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 là. Pour moi, bon, pour moi, clairement, c'est toujours là, hein. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Aide-moi, je... J'ai pas cliqué sur solution. Ah, ok.
Ouais. Pas, j'ai pas d'eau pour arrêter le truc, j'ai pas de. Je vais me faire un poisson fumé, tiens. Non, c'est pas ça? Bon. Je sais pas, je. Tiens, allez, je t'offre mon cœur. Non, ça te plaît pas. Bon. Que veux-tu que je fasse, jeu? Je te comprends pas! Est-ce qu'il faut que je retourne à 14h? Je vais essayer ça. Maintenant qu'il est là, est-ce que si je retourne à 14h, est-ce que... Est-ce qu'il est plus disposé? Salut? Non, toujours pas. Bon. Bon. Écoutez, on va le laisser là pour le moment, hein, de toute façon. Là, j'ai les œufs qui sont réapparus. Donc, on est de retour à 14h. On va voir un petit peu. Donc ici, on peut toujours rien faire. Ici. Ici, ça a changé un petit peu. Oui, est-ce qu'on a une nouvelle heure qui apparaît? Non, hein, c'est toujours. Toujours. Toi. Non, toujours pas, hein. Si, il y a un tournesol maintenant. J'ai un tournesol maintenant. Est-ce que ça te plaît, ça? Non, ça t'intéresse pas. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien. Un tournesol, ça te dit pas? Non? Bon. Du coup. Lève-toi. Oui, mais est-ce que maintenant que je suis revenu à 14h, si je rappelle, non, il n'y a rien qui se passe. Donc on est d'accord là-dessus. Les nuages ici n'apparaissent plus. Bon, ok. Donc c'est pas ça. Donc je vais retourner à 6, à 7h25. Ok. J'ai pas d'eau, j'ai rien, j'ai... J'ai aucune indication sur où le placer précisément sur l'écran. Ou du moins je vois rien. Je dirais qu'il est à peu près comme ça comparé à la parallaxe de. Donc il y a ce truc-là qui est un mystère et il y a ça.
Est-ce qu'il y a un truc qui se déplace? Ça, j'avais le tournesol dedans, hein. Si j'essaie de le découper, ce truc. Ce nid là, non? Si j'essaie d'y mettre un poisson. Si j'essaie d'y mettre un ver de terre. Si j'essaie de le cramer. Non? Mais oui! Crétin! Putain, c'était ça! Ok. Du sable. Enfin! Ok. Du coup, le lombric. Pour moi, ok, ça vaut 0. Le cœur. Difficile à dire, mais ça vaut beaucoup plus que 1. Le lézard. Le lézard vaut 1 pile poil. Donc 0, 1. Et le poisson? Bien plus que d'accord, qui est le plus lourd? Donc le poisson est plus lourd d'un kilo parce que si j'enlève le kilo, évidemment, donc il y a une Alors, il me faudrait une feuille de papier. Il y a une différence de 1 kilo entre le poisson et le cœur. Le cœur est plus léger d'un kilo, mais donc le plus lourd de toute façon, c'est le poisson. Le lézard fait pile poil 1 kilo. Lui, il fait 0. Hein. Donc, c'est le poids du cœur qu'il faut que je détermine. Le sable, il pèse combien? Je peux pas peser le sable. Zut, désolé. On a quand même quelques indications. On a aussi cette boîte là. J'ai rien vu qui ressemblait au logo qu'on voit dessus. Il y a ça à la limite, mais même pas. Il y a le S. De toute façon, je suis sûr qu'il y a aussi un système anti.
anti. On m'avait compris. Du coup. Allez, l'Omric valait 0. Le poids vaut 1. Donc le 1. Donc ici on a. Je dirais 4h15. Je dirais 4h15. Putain, c'est ça. Bon, voilà notre fameux hibou. Alors, juste avant de la lune, là. Avec une drôle de fissure. Super glauque. Oh! Ok, alors. L'œil à gauche, c'est le carré. Ensuite, on a un trait avec une étoile comme ça. Là, on a une croix à l'envers. Et là, on a le S comme ça. Donc, carré, bâton, étoile, T et le S. Ok, il faut remettre les rouages correctement. Ok. C'est ça. Ok. Ça va être écart. 8h15? Enfin, 9h moins le quart, à mon avis. Ou 7h moins le quart, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 8h, c'est 9h moins le quart. Ok. Donc on a déjà la prochaine heure. On va aller voir le hibou avant. Il s'est barré. Donc, il disait qu'il regardait à droite. Ah non. Alors, il regardait à droite. Puis à gauche. Oh, ok, d'accord. Ça, c'est glauque.
sais pas, je... C'est un coup de couteau, qu'est-ce que... Fais-moi une plume, j'ai besoin d'une plume. Je... Tiens, tu veux des allumettes, tu veux du sable, tu veux... Tiens, du sable. Non? Il disait quoi déjà? Il disait quoi déjà le poème à deux ronds là? Quand la nuit est venue, la lune n'a jamais été aussi grosse que je ne l'avais vue. Il voit regarder à droite. Alors, j'adore. À sa droite ou à la mienne? Pendant qu'il dépliait ses ailes. Donc, il doit d'abord regarder à droite, puis me regarder, puis regarder à gauche. Attendez. Et à la fin, il tourne sa tête derrière et il disparaît. Ok, donc. Droite, moi, droite, devant, gauche. Et il se retourne la tête. Ou c'est... Non, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, il regarde à droite. Il me regarde moi. Il regarde à gauche. Il retourne sa tête. Non. Ah d'accord, ok. Alors attendez. Alors. On recommence. Donc, il regarde à droite. Top. Il me regarde moi. Top. Il regarde à gauche. D'accord. Donc il regarde entièrement à gauche. Ok. Puis il regarde derrière. Et il disparaît. Il disparaît pas. Ah attendez, attendez. Non, alors. Attendez, je vais faire marche arrière. Hop, ok. Donc, il regarde à droite en dépliant ses ailes. Puis, il me regarde moi. Puis, il regarde à gauche en repliant ses ailes. Puis, il fait demi-tour. Enfin, puis, il regarde derrière et il se barre. Mais ça marche pas votre truc, c'est pas clair, hein, c'est de la merde. Bon, admettons, on s'en fout. Admettons qu'on s'en fiche que de ce hibou à la noix et qu'on se tape la dernière heure là. C'était, j'ai dit 9h moins le quart. Hop, on va voir un petit peu ce que ça donne. Salut. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme piaf ici? Bon. Ah d'accord. Donc il y a qu'un piaf. Alors. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux... D'accord. Peut-être en train de faire une connerie là. Ah bah d'accord, super. C'est dingloque! Mais c'est dingloque! Oh, mon Dieu!
Mais qu'est-ce que ce jeu me fait faire? Ça c'est ok. Il n'y avait rien d'autre là-dedans, hein. De toute façon, on est d'accord. Allez, hop, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Si on revient à 14h. C'est bon, hein, à part la cigogne, il n'y avait rien à faire. Donc on revient à 14h. Il y a du sable maintenant. Le sable. Attendez. Le sable, je. Voilà. Le sable, je le déplaçais. Ah, attendez. Mais oui. Voilà. Ok. Bon, donc ça déjà, on a le truc. C'était 7h. Et ça. Oh! C'est ça. Ok. Ok. Tordu, hein. C'est tordu comme jeu, hein. Franchement. Tiens. Tiens, tu me files ça. Voilà. Troisième plume. Eh ben, ce dernier niveau est vraiment un enfer, hein. Ah la vache. Et donc, il me manque plus que le truc avec le hibou, que j'ai pas compris. Donc, je vais relire le poème. Tiens, d'ailleurs, à ce propos. Non, 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 bon. Au coucher du soleil durant la soirée. Un hibou a volé vers moi dans l'air nocturne. J'avais jamais vu une lune aussi grosse. Le hibou a regardé à droite. Alors peut-être qu'il a regardé à sa droite. Pendant qu'il déployait, tout en déployant ses ailes. Donc à mon avis, il regardait à sa droite, la droite du hibou. Puis il s'est à nouveau tourné vers moi. A dit les mots don't forget, voilà, n'oublie pas ton but. Il a regardé à gauche. Il a dit tu dois te transformer, atteindre l'illumination. Il a planté ses yeux dans les miens. À l'heure où le soleil se lève, il a tourné la tête dans son dos et est parti. On est reparti, on est reparti. Donc à 9h moins le quart. Allez. Non. Si, c'est ça. Non, c'est pas 9h moins le quart, c'est. Si, c'est ça.
Non, ça c'est le matin. Zut, c'était quelle heure? La nuit. C'était 4h et quelques. 4h et 4h. C'est ça, non? Non, c'est ça. Merde, c'était quelle heure? Donc il a regardé à gauche tout en dépliant ses ailes. Tac. Puis il m'a regardé. Puis il a regardé à sa gauche. Il a planté ses yeux dans les miens. Et il a fait demi-tour. Mais c'est ça le truc, c'est ça le code. Il a regardé à sa gauche, tout en déployant ses ailes. Est-ce qu'il faut que je valide? Ok. Attendez. Regarde à gauche. Ok, alors ça doit pas être ça. Alors ça doit être dans ce cas. Il regarde à gauche. Ok. Puis il me regarde. Puis il regarde à droite. Puis il me regarde. Puis il regarde à l'arrière. Non, c'est pas ça! Mais j'ai pas compris! J'ai pas compris! Ça m'énerve! C'est ça! C'est ça que dit le poème! On est bien d'accord! Après la lune là. Oui, yeux bizarres. Il a volé à travers les airs. La lune était grande, nanana. Le hibou a regardé à droite. Mais la droite de qui? Le hibou a regardé à sa droite ou il a regardé vers ma droite? On se fait face. Au bout d'un moment, il va falloir être clair, quoi. Pendant qu'il déployait ses ailes. Puis il s'est à nouveau tourné vers moi.
Il a parlé déjà, je sais pas ce que t'as fumé, mais j'en veux. Ensuite, il a regardé à gauche, pareil, sa gauche ou ma gauche. Va te faire plumer. Il a planté ses yeux dans les miens. Il a tourné sa tête dans son dos et il s'est barré. On est d'accord, donc. Droite, il me regarde. Gauche, il me regarde. Et dos. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il m'énerve. Il m'énerve. Alors on va essayer résultat ma droite. Donc il regarde à droite. Il me regarde. Il regarde à gauche. Il me regarde à nouveau. Yes! Oh, bordel! Je suis fatigué. Mesdames et messieurs, 2001, l'Odyssée de l'espace. Sam Sarah-Room vous est offert pour célébrer notre 5e anniversaire. Merci de jouer à nos jeux pour votre soutien sans faille. Restez informés des prochaines sorties de Rusty Lake. Alors, c'est pas mal comme jeu, hein. Mais franchement, c'est rageant de n'avoir aucune indication de vraiment devoir cliquer partout, quoi. C'est vraiment pas intuitif, quoi. Il y a des trucs qui sont vraiment pas intuitifs. Eh ben, ça a été quelque chose. Je vous avouerai que j'ai pas mal ragé en vrai. Le hibou, il m'a rendu fou à la fin. Je vous jure que le hibou m'a rendu fou. Il y avait quoi d'autre aussi qui m'a rendu dingue? En fait, c'est surtout le dernier niveau qui m'a rendu dingue. Parce que au bout d'un moment, je me suis retrouvé un peu bloqué. Je me suis dit, il y a forcément un truc. Et puis après, bon, bah, j'ai compris qu'il fallait mettre le poisson pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Et puis après, j'ai compris l'histoire des objets mondes, en fait. Ce que j'appelle les objets mondes. Mais surtout le truc. Enfin, il y a surtout des trucs glauques quand même. Où t'as une main qui passe à travers le bois de l'horloge. Tu lui donnes le couteau, le mec donne son cœur, quoi. Enfin, c'est. Nique-toi! Au bout d'un moment, c'est glauque! C'est glauque as fuck! Enfin, c'est. Voilà quoi. Bref, j'espère que cette série de 3 épisodes, du coup, enfin, de peut-être 2, vous aura plu. Je sais pas si on fera The White Door, si on fera d'autres jeux Rusty Lake. Ils sont à pas cher, ils sont à un truc genre 3 euros le jeu, c'est pas. Je crois que je peux m'acheter un bundle. Je crois qu'ils ont un bundle de jeux, donc. À voir si ça vous a plu, mais je vous avouerai. Raid. Raid, raid, raid. Je vous propose, c'est de là que je coupe, et j'essaie de speedrunner. On verra, on verra. Je vais essayer, je vais enregistrer un speedrun. Voir en combien de temps j'arrive à le faire. Maintenant que j'ai la solution. On va faire ça. Alors je le tourne, je sais pas si je le publierai.
En tout cas, bah, j'espère que ces deux épisodes donc, de découverte de Samara's Room vous ont plu. Et si ça vous...